Ouais. Alors, oui, je voulais retourner sur la frousse. Ah ouais, je voulais mettre les canards de Monsieur Cracrafeu. Ouais, y a un canard à trois têtes. C'est le plus beau. Oui. C'est le plus beau. Tous les autres, c'est cri-cri, il les a fait à 100%, mais celui-là, je l'ai un petit peu pimpé. Voilà, juste pour le... Voilà. Non, t'as aussi fait le sac à dos. J'ai aussi fait le sac à dos, en effet. Donc... Si j'étais un canard et que je me baladais sur la frousse, je vais le mettre là. Ah oui, t'as quand même une heure de retard sur l'heure que tu disais que t'allais live. Ah bon? Bah oui, t'avais dit 18h, c'est 19h. Bah, une heure près, franchement. Est-ce qu'on est sur un canard de qualité? Mais oui. Ouais, c'est good. Toujours important d'avoir des canards qui se bolodent. Moi, je vais faire une queue-leu-leu de canard ici, ça m'a l'air bien. On a tous besoin d'un canard dans sa vie. Ouais, canard, c'est mon chien. C'est vrai, il s'appelle canard ton chien? Non. Oh. Juste que des fois, je m'imagine que c'est un canard. Hein? Permets-moi de paniquer quelques secondes et ensuite je te réponds. Alors attends, avant je te juge, voilà. C'est quoi le petit surnom à la con que vous donnez à vos animaux? Gros sac. Je m'appelle Mon Loup. Mais genre Mon Loup, L-O-U-P. J'en ai une que j'appelle Débile Profonde. Ou la terreur mien, aussi. Je l'appelle Prout Prout. Parce que je suis quelqu'un d'extrêmement mature. Oh, ouais, je l'aime bien là. Ma, tu es belle là, comme la papaya. Je prends les canards. Je me paste les canards. Et après, tu manges les canards. Si j'étais un canard avec un fusil. Oh, eh bien, je serais sur un vaisseau spatial de l'amour. Mais oui, on est sur un bon canard. Je comprends pas votre délire avec les canards. Moi non plus. Personne ne comprend ce délire. Faut vraiment pas chercher. Ma fille, t'es jaloux? Bon, regarde, quand il a peur, il fait comme ça. Ça a pas marché du tout, mais c'est pas grave. Petitement, ça reste pas très beau. Ça ouvre le truc à chaque fois. Non, mais je vais lui cacher des trucs dans le corps. Mais non, je peux plus. Ouah, j'ai mis tous les canards. Comment ils sont incroyables. Bah du coup, je vais retourner faire Sophie la girafe. Oui, oui, oui. Oh, c'est mardi. En fait, on fait une girafe, mais ça sera surtout une girafe sur des rollers. Ah, il faut que je trouve une photo de girafe. Girafe Sophie, la girafe, G-I-R-A-F-E. Ça a une tête tellement étrange. T'inspires vraiment de Sophie la girafe, du coup? Bah oui, elle est belle. D'accord. Elle est de toute beauté. Ouais, tu... Si tu crois le contraire, eh ben tu as tort. Elle aura des rollers. Donc, sur ses rollers, pour qu'elle puisse avancer dans l'espace, elle aura des fusées. Ça va faire pfiou, la girafe de l'espace. Donc, c'est pas Sophie la girafe, c'est pfiou, la girafe de l'espace. Ouais, je trouve que c'est un très bon prénom. T'es sur ton plot XXL? Je suis sur Sophie la girafe. C'est encore un nouveau rendez-vous. Alors, oui, mais j'avais envie de faire une girafe et voilà. Me juge pas trop. Je te juge pas, c'est sur le XXL. Non, je suis sur la frousse. Parce que le meilleur endroit pour mettre des choses qui n'ont pas de sens, c'est sur la frousse. Okay. Le visage de la girafe, c'est le plus mignon de tous. Ah, elle est bizarre, ta girafe. Elle fait peur. Elle fait peur? Oui. Waouh, une girafe à deux têtes, bordel. Oh non. Ah, mais oui. Ah, mais oui. Ah mais oui. Oh là, mais comment j'y ai pas pensé? Attends. Non, je me cache dedans. T'imagines? Une girafe à deux têtes? C'est un monstre. Oh, c'est incroyable. Attends, je coupe tout ça. Non, trois têtes, ça fait beaucoup de têtes. Mais deux têtes, c'est bien. Deux têtes normales et une petite moche sur le côté qui pendouille. Truc dégueulasse. Donc, on prend un brush de 4. On part ici. Et là, je dis que sa première tête part de ce côté. Top, 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 top. Et la deuxième tête part de ce côté. Parce que une tête, c'est bien. Deux têtes, c'est mieux. T'imagines si elle a deux têtes? Genre, quand elle conduit, elle peut conduire deux fois plus vite. Et elle peut même se tenir des conversations à elle-même. C'est pas incroyable, ça? Oh, j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ok. Et donc là, est-ce que... Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Sur une échelle de 1, j'ai pas du tout compris ce que j'ai fait. J'ai pas du tout compris ce que j'ai fait. Bon. Ce qu'on va faire, c'est que si on ignore le problème, il n'y a pas de problème. Je vais finir la girafe numéro 1 et j'y réfléchis. Les gens qui arrivent sur le live, ils se disent « Ok, une girafe à deux coups. Tout va bien. » On n'a pas le contexte, mais tout va bien. Ouais, ouais, ouais. T'en fais pas.
ça va bien se passer. Creuse ma girafe. Waouh, on peut lui mettre des choses. On peut faire un déguisement girafe. Elle est creuse. On met notre truc dessous. Et ça fait un truc déguisé en girafe. Une girafe de 3. Et ça serait vraiment pas une bonne idée, mais j'aime l'idée. Oui, en effet, Draco, si je fais 2 têtes, combien je fais de queue ? Propose une des personnes qui est dans la modération. On fait un vote. De faire un vote. 5. Entre 1 et 10. Tu mets que des chiffres pairs. Impairs. Ou pairs. Ou impairs. À la limite, vous mettez 5 choix au hasard. Le premier qui le fait a gagné. Désolé, j'ai mis 9. Hein. T'as mis 9 ? J'ai mis 5. Ah, combien de queues moi aussi je veux voter après? Combien de queues le renard dans Naruto? C'est 9, hein? Parce qu'on peut faire le démon girafe à 9 queues. Mais oui. Oh bah 9 à gagner. 9 à gagner? Eh bien, ça sera une girafe à 9 queues. On peut l'appeler la girafe de Konoha. Le démon girafe à 9 queues. Avec l'accent, hein. Princesse Poisson a fait un résumé. Donc si on résume, on a une girafe à 2 têtes, 9 queues, avec une barbe, une cravate, un collier de perles blanches et en partie cyborg. Ça me paraît pas mal. Ah oui, et qui fait des rollers de l'espace. C'est compliqué. Sophie, la girafe, elle a pas cette position. Attends, t'as vraiment le modèle à côté de toi. Le modèle, le problème, c'est que Sophie, la girafe, elle est debout. Alors du coup, c'est compliqué. Donc, si j'étais une girafe et que je m'étais fait enregistrer automatiquement sur le bureau de Tungsten. Et voilà. Elle est magnifique, hein. Je vais pas lui faire une partie mécanique avec le ventre ouvert où on voit un système mécanique et il y aurait comme une ville à l'intérieur. Mécanique. Oh, s'il faut, ça marche pas du tout dans ce sens. Je suis en train de réfléchir. Si ça... Oh, c'est dans l'autre sens. Elle a la jambe cassée. Vite, réparons-la. Vite. Bilou. C'est ça qui est bizarre, sa jambe. Mais oui, mais en fait, une jambe de girafe, ça se plie pas dans ce sens-là du tout. Oups. Ouf. Mes yeux. Ah, ça pique. J'ai vu ce que j'ai vu. C'était compliqué pour mes yeux, là. Ouais, la deux têtes, maintenant. Parce que oui. D'ailleurs, c'est la girafe de quinoa à 9 queues, Pineapple. Ah, Yobi, c'est vraiment le plus classe de tout le domaine. Je vais aller voir. Pas faux. Mais le chat à 2 queues aussi, il est pas mal, hein, parmi les démons, machin. De... Si, parce qu'il est tout bleu et il est tout gris et tout gentil, petit poney. Money. Comment ça, je chante extrêmement bien? Je le sais. Je le sais. Oui, tu chantes bien. On m'a toujours dit que je chantais extrêmement bien. Des bonnets, tous des menteurs dans ton entourage. Des bonnets. Je vais arrêter parce que je me saoule moi-même là. Ouais, pourquoi il est coincé dans le sol? On a un homme bizarre. Il fait du ski sur le sol. Attends. Non mais je suis pas bien psychologiquement du cerveau là. C'est vraiment pas comme ça que j'imaginais une girafe. Attends, là il y a une bosse ensuite. Une bosse, on vous rassure. Oh, mais ça monte hyper haut ça en fait. Elle fait ça, ensuite elle fait ça, ensuite elle fait ça. Je panique. Elle a vraiment 2 têtes ? Il y en a 2. Oui, elle a 2 têtes. Oh, putain, elle avait besoin d'avoir 2 têtes. Eh, regarde, Pineapple. Oh merde, je peux pas casser. Hop. Tous mes profs sont absents. En cours ? J'étais genre pas au fond, parce que du coup au fond t'es catégorisé au fond, et pas devant parce que devant t'es catégorisé les cheveux. J'étais au milieu. Ah non, mais si, c'est un truc de fou. Sur tous mes carnets de correspondance, je sais pas trop quoi là, à chaque fois il y a marqué on sait pas qui c'est. Ah, c'est juste qu'on ouais pas. C'est juste que elle était là. Ah d'accord. Ah ok. Donc putain. Mais oui, après une fois sortie des cours c'était très différent. J'avais eu une technique de fou. C'est en gros, j'avais fait écrire par un de mes parents sur le carnet, avec l'accord de mes parents, attention. Un mot passe-partout, non daté, avec écrit dessus. Je sous-signais le nom de ma maman. Ma fille n'a pas pu récupérer ses affaires parce que X raison ici. Vous prie de vous lui excuser de ne pas avoir les affaires pour votre cours. Et du coup, dès que j'avais pas fait mes devoirs, je sortais ce truc. Bon, du coup, ça marchait qu'une fois par cours. Hein. Mais quand j'avais pas fait mes devoirs, je sortais ce truc. Et du coup, ça marchait. Colonne vertébrale. Queue. Ici. Bam.
Tu vois là. Je vais devoir en faire 9. Oui, oui. Ouais, il est trop bien. Wow, elle est trop bien, celle-là. Il est tellement trop bien. Attends, du coup, ça fait combien, ah, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est à 9 ou je sais pas compter? Bah, je pense que tu sais pas. 1, il y en a 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'en ai 9. 8. Pourquoi j'en ai 8? Il y en a 9. Attends, je vais les changer de couleur. Je comptais la faire orange et violet. Mais je peux la faire orange et noir comme le kiwi. Non, mais kiwi, il a du noir que, tu sais, ouais, des yeux jusqu'aux oreilles. Mais je vois de que tu veux dire. Mais une girafe, ça a des taches. Donc je peux la faire orange avec les taches noires. Et des petits détails en violet. Ouais. Oh, ça serait tellement cool. On va arrêter le live ici. Du coup, je vous souhaite une bonne année. Un joyeux Noël vert. Oh, je vais mettre mon écran de... Comment on fait? Et il est là. Et voilà. Mais du coup, je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année. Et hydratez-vous.